C'est-à-dire que je pense que le diagnostic que pose ERN est assez juste sur plein de sujets, y compris et peut-être surtout sur l'immigration. Seulement le problème, c'est qu'à force de tomber dans la caricature, parce que c'est pas, bien sûr qu'il y a une volonté de démoniser le RN, mais le RN se prête volontiers, plus ou moins consciemment, parce qu'en réalité, plus il vous agresse et plus il vous caricature, et plus vous, vous perdez du temps à répondre à cette caricature aussi d'une certaine façon, et donc à axer une trop grosse partie de votre programme sur la question de l'islam, sur la question de l'identité, sur la question de la migration. C'est pas que ce ne sont pas des questions importantes, ce sont des questions importantes. Mais si vous réduisez votre programme à ça, vous tombez complètement dans la caricature que vous tendent vos adversaires. Et c'est exactement le même phénomène à l'extrême gauche. Le diagnostic qu'ils font sur la globalisation financière et ses dégâts est très juste. Mais le problème, c'est qu'ils vont se focaliser uniquement sur ce sujet. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une nécessité de dépasser ce clivage. Parce qu'en plus, et là où c'est très fort pour le système, c'est que les deux bouts de l'omelette, pour le coup, les deux bouts de l'opposition au modèle, sont non interféconds, comme diraient les généticiens. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire des enfants politiques ensemble. Ça ne fonctionnera pas. Ils se détestent mutuellement, etc. Donc, évidemment, c'est tout bénef. C'est-à-dire que, à force de provoquer l'extrême droite sur le thème de vous êtes l'extrême droite, vous êtes les héritiers des heures les plus sombres, et à force de provoquer l'extrême gauche sur le thème de mais vous êtes de dangereux révolutionnaires et des incapables et des irresponsables en économie, bah, ils finissent par se passer une grosse partie de leur temps à se défendre d'être ça, plutôt que d'articuler un programme. Parce que c'est dans l'articulation d'un programme que les gens pourraient se retrouver et pourraient se réunir, me semble-t-il.